Coucou, hello la famille. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, prions, ça va aller. On est déjà né. On va faire comment? Moi, ça va mieux. Ça n'allait pas et tout, mais ça va mieux. On a prié, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, j'ai fait quelques achats. Je me suis dit, attends que je l'unboxe avec mes éléments, avec ma mif. Donc, sans plus tarder, je vais m'installer, vous montrer un peu ce que j'ai acheté. On y va. Donc, voilà un peu tous les achats qu'on va unboxer ensemble. Oh, oups, 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 je vais vous montrer. Mais je vais commencer par un bon gloss. Je vais commencer par le dernier parce que j'ai besoin de lui. Vous voyez un peu de quoi je parle? J'ai besoin de lui pour faire un contenu de qualité. Voilà Marie Glide. Marie Glide. Marie Glide. Je vais l'unboxer aussi pour Instagram, donc je vais changer de position. Le déballage de la ring light, je suis trop contente. Là maintenant on va passer aux autres. On passe au deuxième big colis. En fait c'est un panier de rangement que j'ai acheté, mais j'ai acheté deux choses que j'ai rangées là dedans donc on va en même temps montrer tout ça. J'ai acheté une balance pour la production, c'est à dire pour le travail, et ça c'est le chargeur. J'ai déjà rangé la balance. Et j'ai acheté des petits trucs comme ça. J'ai acheté des petits trucs comme ça pour faire des shoots pour mes produits. Vous voyez, tout ça, c'est pour la déco. C'est pas trop cher. Je crois 600 francs. Ça, je crois 900 francs. Ou 1100 francs, je sais plus. Des tasses comme ça pour la présentation, donc ça va aller sur ça pour la présentation du produit, et je pourrais faire des jolis shootings professionnels quoi. Et ça c'est pour les décors. De toute façon, quand je vais faire, je vais vous en parler, je vais poster sur la page de l'entreprise, je vais écrire le nom de la page de l'entreprise. Vous pourrez aller voir mes shoots, en même temps vous abonner pour me soutenir aussi. Parce que c'est ça en fait, le vrai amour. Et tout ça sera pour la déco des shoots. Il y a ce plateau en verre qui m'a coûté un peu cher. Toujours pour les produits. Différentes saveurs pour faire des jolis shoots aussi. Et il y a ces assiettes-là pour faire les paniers cadeaux. Vous connaissez ces assiettes-là, souvent on a l'habitude de les utiliser pendant les anniversaires et tout. Donc, pour faire des jolis paniers cadeaux avec
des produits, des packs Noël, des packs anniversaire, des packs vous connaissez. Donc, c'est un peu ça. J'en ai pris de différentes couleurs. J'ai pris le violet aussi, parce que le violet doré, c'est la couleur de l'entreprise, la couleur de la marque. Donc, violet doré, bien sûr. Et aussi des petits nœuds. Quand on fait le panier cadeau, vous savez qu'on met les nœuds au bout là. Donc, doré, violet aussi. Et j'ai pris aussi ces bols là pour différencier un peu les saveurs. Il y a le rouge. Ils sont trop mignons, trop mignons. Et je vais utiliser pour. Il y a celui-là aussi. Lui, j'adore avec les contours dorés. Et il y a ça aussi. Je vais faire des créas avec. Vous n'allez pas croire que c'est ce que je viens de vous montrer comme ça en fait. J'ai vu des créas sur Pinterest avec d'autres produits et je vais un peu essayer de faire pareil avec mes produits, avec un autre design que j'ai en tête. Abonnez-vous à la page de l'entreprise. Vous allez voir mes produits, tout ce que je propose et comment je fais mes shoots. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une bougie parfumée. Ça sent trop bon. Si vous voulez les détails, vous me dites. Comme ça, je modifie après la description pour mettre les prix. Et je me dis que bon, on en trouve partout, hein. 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, il y en a de tous les prix. Et j'ai acheté ces deux trucs-là. Un savon nettoyant. Elle a dit c'est pour les taches noires et tout. Je vais juste tester. Donc j'ai pris un seul. Je vais tester. Et si je teste que c'est bon, je repartirai là-bas pour acheter. Et cette crème de visage, j'ai pas de crème de visage. J'utilise Mixa pour. Et le corps et le visage. Donc ça c'est aloe vera. Ça m'a l'air bien. Ça sent bon. Ça aussi c'est une première, je vais. De toute façon, j'avais pas de crème de visage donc. Et ça c'est un exfoliant, gommage visage. J'ai décidé de prendre soin de moi, d'avoir une routine jour et nuit. Et je vais tester tout ça. Et quand ça sera bon, je vous montre. Et à ce panier de rangement, je l'ai pris à cause de mes équipements de cheveux. Je vous avais montré la dernière fois mon babyliss, mon boucleur, mon peigne à lisser. J'en ai d'autres, j'ai au moins deux ou trois babyliss comme ça. Bon, j'ai décidé d'acheter ça et tout ranger là-dedans. Ça sera spécial équipement cheveux. Ensuite, on passe au prochain collège. Alors, j'ai acheté ça. Toujours dans la catégorie soins de visage. Un masque élastique. Masque de visage vitamine E. Toujours dans l'optique de mieux prendre soin de mon visage. Et donc, j'ai acheté ça. Je crois à 10 000 francs. Il y a 10 masques à l'intérieur et l'hydratant vitamine E à l'intérieur. Donc, on a 10 masques et il y a l'hydratant. Quand on ajoute, lorsqu'on place le masque, on ajoute la vitamine E et on laisse reposer 5 minutes selon eux. J'ai hâte d'essayer tout ça. Ensuite, j'ai acheté ce bac. Ce bac pour mes produits, normalement ils ont mis pour les légumes et les œufs, mais je vais l'utiliser pour autre chose. Je fais des snacks de cajou en forme ronde. Donc je cherchais un truc où je pouvais mettre les produits. Je cherchais plutôt un joli présentoir, pour ces produits là. Parce qu'ils sont différents, ils ont une forme ronde et en emballage, ils ne sont pas très attrayants. Donc, j'ai acheté ce bac-là.
une bonne présentation pendant la vente, pendant les expositions. Donc c'est à ça que ça va servir. Au lieu de mettre des œufs. Voilà. Je crois lui là. Je sais plus. J'ai tout sur la facture. Ensuite, enfin le micro. Ce micro-là, je l'ai tant voulu. Mais je me disais, non, ça sert à rien et tout. Et quand je passais dans les rayons, quand j'ai vu, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister finalement. Finally, I got my mic. Ce qui me plaît, c'est que ça peut servir pour mes vidéos, mais ça peut aussi servir pour la vente, en fait. The Bluetooth device is ready to pair. Que cherche trouve? J'ai retrouvé. Vous l'avez retrouvé? Non, ça me plaît pas. Allô? Je veux ma voix originale. Mais pourquoi ça me fait ça en fait? Allô? 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 Voilà! Ça, c'est ma voix originale. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Miranti. Alors, ici, c'est la bonne humeur, c'est les vlogs, c'est les partages d'expériences en termes d'entrepreneuriat, c'est les story time, c'est les pranks. Oui, parce qu'on fait des blagues ici. Et il y a un peu de tout. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos remarques, vos critiques positives et constructives, s'il vous plaît. Pas d'injures. Alors, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai trouvé. Qui cherche, trouve. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, je l'ai pris à cause de mes chaînes, mes colliers et tout, qui ont tendance à se mêler entre eux. Donc, je me suis dit que si chacun avait son espace, il resterait tranquille. Et quand j'aurais besoin d'eux, je pourrais les récupérer facilement. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je suis en train de me dire si ça pend et que ça pend jusqu'à arriver ici. Mais au moins, ça ne va pas s'entremêler, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Ça ressemble plutôt à un truc de cuisine, hein. En tout cas, j'aime. Et enfin, ça, j'ai déjà déballé. Mais comme je ne vous ai pas montré, j'ai refait ça. N'était pas belle la chaussure. Et à moins de coût, moins de 10 000 francs. Moins de 10 000 francs, je vous assure. Très joli. Mais j'aime pas l'odeur. Ça sent la nouveauté, mais je sais pas. J'aime aussi. J'en ai pris deux. Je crois que c'est une promo. C'est une promo qu'ils ont sponsorisée. Aussi celle-là. Bon, là, c'est celle-là. Hein. Je pourrais les mettre à ma guise. Alors c'est tout, je vais clôturer la vidéo. The Bluetooth device is ready to pair. Alors ainsi pour fin cette vidéo unboxing. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.